Ancien élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, promotion 1948. Il fait immédiatement ses débuts en jeune premier au cinéma comme au théâtre. Il est par deux fois le partenaire de Brigitte Bardot au cinéma. Dans Manina la fille sans voile, 1952, et dans La mariée est trop belle, 1956, il tourne avec quelques-uns des réalisateurs français les plus célèbres des années 1950 aux années 1970. Il incarne notamment le Faust de Marguerite de la Nuit de Claude Autant-Lara, 1955, et joue les séducteurs pour Pierre Gaspard Huit, La mariée est trop belle, 1956. Michel Deville, Adorable menteuse en 1962 et L'appartement des filles en 1963. Tandis qu'il tient des rôles plus complexes dans les films d'Yves Boisset, L'attentat, 1972, et d'Alain Jassua, Traitement de choc, 1973, ce qui lui donne de côtoyer quelques-unes des actrices françaises les plus populaires d'alors. Michel Morgan, Marina Vladi, Mylène de Mongeau, Annie Girardot, retraitée à la Maison des artistes de Couilly-Pont-aux-Dames, Seine-et-Marne. Il décède le 8 octobre 2014. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 14 octobre au crématorium de Saint-Souplet, Seine-et-Marne.